Donc je disais, la première raison est le fait que depuis 2006,
Pourtant, les constitutions ont prévu que les modes électoraux des scrutins soient complets, de la base au sommet. Mais il s'est fait remarquer que depuis 2006, on n'a jamais organisé les élections de la base des élections locales. Deuxième raison, c'est que dans le calendrier de la CENI, et bon, Samaki était pas convoqué déjà corps électoral depuis le 18 mars. Les lots, aux hommes de la Côte de Bamawa, donc on est en fin mai. Donc, convocation, on a installé ma quitté. Depuis, il y a une étude en Moana. Et en disant que les alliés de Kotuni Kuna Koloba étaient, c'est lié mon voisin pour réclamer, au voisin de Namoussala était, va budgétiser et étape pour en athée. Donc, je disais la deuxième raison, c'est qu'on a déjà dépassé le délai prévu dans le calendrier pour la convocation du corps électoral. Et ça, ça nous inquiète. La troisième raison, c'est que la CENI reconnaît n'avoir pas été budgétisée pour le reste du cycle électoral. Alors, ces trois arguments réunis, il y a moins de division pour l'Obaïde, non, pour ça, pour sonner à l'art. On a pour l'Obaïde, il y a moins de mode de division. Ils allaient à la fois un mode légal, parce que c'est prévu dans la Constitution, mais aussi légitime, parce que les actes de la visa, expression de la volonté et la population de la mission. Voilà un peu, quand nous avons la question, dans la réponse, il y a des balais comme ça, on sait que M. Labbé a continué. Quels sont les mécanismes prévus pour encourager la CENI en rapport avec la mobilisation des finances? C'est comme je l'ai dit à l'introduction. Nous devons apprendre à respecter ce qui relève de la République. Et devant la République, devant les lois de la République, elles ont un caractère prétorien, et prétorien, pardon, je crois qu'il est très important. Alors, pourquoi vous nous dites que non, mon cas est un amour voté pour l'élection. C'est question de priorité, c'est question de respect de la Constitution. Donc, les compétitions religieuses estiment du fait que la question touche à notre vie nationale et qui harmoniserait les systèmes politiques du pays, parce que vous êtes en ignoré, ce qui est déploré ici, c'est en fait l'absence de ces élections dérange l'architecture institutionnelle de notre pays. D'un côté, nous avons des animateurs issus par les modes démocratiques consacrés par la Constitution, et l'autre, nous avons des autorités issues d'un autre mode que celui des nominations. Par conséquent, ceux qui sont nommés ne se voient pas rélevables par rapport à la population. Et avec tous les corollaires que nous avons soulignés, bien sûr, il y a la corruption, les népotismes et toutes sortes d'antivaleurs. Donc, une manière raisonnée et réfléchie pour nous d'arrêter ces cycles serrés, d'organiser éventuellement ces élections. Est-ce qu'il faut avoir l'argent? Bon, ce n'est pas encore à ce niveau, nous nous sommes des porte-paroles. Je crois que les confessions religieuses auront à statuer. Si nécessité, il y aura de proposer d'autres mécanismes, mais à ce niveau, nous pensons d'abord que la responsabilité est double. C'est des questions qui touchent à la République. Elles n'ont pas droit à être mises un peu de manière auxiliaire, mais c'est des questions de grande importance. Et il revient au gouvernement de la République et statuer de manière sérieuse et objective quant à cela. Merci. Pour l'organisation des élections locales avant décembre 2019. Nous, confessions religieuses de la République démocratique du Congo, vu la constitution de la République démocratique du Congo en son article 3 relatif à la décentralisation des entités territoriales, à savoir villes, communes, secteurs et chefferies, vu l'accord de la Saint-Sylvestre, dans lesquelles les élections locales sont prévues. Chapitre 4, paragraphe 3. Vu la loi électorale, spécialement ses articles 174 à 178, 183 à 186, 190 à 195, 199 à 202 et 207 à 214, portant respectivement sur la forme et les conditions des élections des conseillers urbains, maires et maires adjoints, conseillers municipaux, bourgmestres et conseillers des secteurs et des chefferies, attendu que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avait prévu dans son calendrier électoral convoquer l'électorat le 18 mars 2019 pour les élections
évoquée, conformément à la décision numéro 065-CENI-BUR-17 du 5 novembre 2017, attendu que, depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, la République démocratique du Congo n'a jamais connu un cycle complet des élections, et ce, en violation de la dite Constitution, attendu que le système de nomination des dirigeants des entités territoriales décentralisées, contraire à la Constitution, favorise le clientélisme, la corruption, le détournement des recettes et taxes locales et a pour conséquence le manque de services rendus à la population. Par ces motifs, invitons le peuple congolais, en sa qualité de souverain primaire, d'exiger l'organisation des élections des conseillers communaux et des secteurs chefferies avant la fin du mois de décembre 2019. Invitons chaque citoyen à signer cette pétition pour faire respecter l'effectivité, l'état de droit. Je vous remercie.